Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va une nouvelle fois tenter de continuer d'expertiser, enfin du moins la route vers l'expertise de Takeda parce qu'elle est encore longue. On va donc faire nos 60 chances du jour à la roue puisque sur mon serveur la roue vient d'apparaître et c'est avec Takeda puisque mon serveur a plus de 240 jours, il a même plus de 300 jours à présent. Et on va voir si on va être aussi chanceux que la dernière fois. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo pour la dernière fois qu'on a fait un Max Wheel Spin sur Takeda. Et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Et surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez à présent, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier. Pour ceux qui se demandaient, je réinvestis l'intégralité de vos dons, que ce soit lors du live, le super chat, ceux qui m'ont fait des dons par super chat, que je remercie, ou par la suite, avant ou après, sur le lien qui est en description de ma chaîne sur les dons Steam Labs. Je réinvestis intégralement tous vos dons dans le jeu et principalement dans les commandants pour les expertiser et vous apporter un contenu toujours plus riche et toujours plus intéressant. Donc une nouvelle fois, je vous remercie vraiment beaucoup pour tous ces dons qu'on peut réinvestir aujourd'hui et faire donc un nouveau Max Wheel Spin avec Takeda. Alors, donc on commence avec le premier tour gratuit, j'espère. Rappelez-vous la dernière fois, j'espère avoir autant de chance. Beaucoup m'ont contacté pour me dire que j'avais vraiment une chance de dingue. J'espère qu'on va faire encore mieux. Allez, ce premier tour gratuit, on y va. Bon, ça commence pas très bien. Bon, on pourra aller changer les accélérateurs de construction parce que j'en ai pas besoin. On les changera pendant l'event du KVK. On fait le tour à 50% et après, on attaque de l'or. Alors franchement, là, j'espère que ça s'annonce pas comme ça pour la suite. Parce que là, c'est pas bon du tout. On va dire que c'était deux tours pour me punir. Ok. On continue sur la même lignée. Une sculpture en or, c'est mieux. Je sais qu'il faut demander des sculptures pour en avoir. Donc donne-moi 8 têtes. Donne-moi 8 têtes. Non, donne-moi 8 têtes. Donne-moi 8 têtes. Bon. Ces premiers 5 tours, ils sont pas terribles. Allez. Donc déjà on a atteint le premier palier, c'est déjà ça. Donne-moi 8 têtes, voilà, 8 têtes. Donc, je vous l'ai dit, il suffit de demander pour avoir 8 têtes. Encore une fois 8 têtes, je viens de prendre 16 têtes sur ce tour là. D'ailleurs, vous allez aller voir, 16 têtes c'est énorme. J'ai jamais fait autant, 2 fois 8 têtes. Donc là déjà, je pourrais m'arrêter, ma Max Wheel Spin elle est au max. Si vous allez dans info, ils l'ont rajouté, ils l'avaient dit dans le patch, ils ont rajouté la probabilité d'avoir chaque item. Donc les têtes de Takeda, on a 2% de chance en x8 de les obtenir, 23% de chance en x1. Donc évidemment, c'est le plus fort taux si vous regardez de loin. Et le plus faible est x8 de têtes de Takeda, évidemment. Les sculptures éblouissantes x2, 14%. Les sculptures de légendaire générique, 8%. Les accélérateurs de 15h, 6%. Tous les autres accélérateurs, 8%. L'or, 5%. Et c'est faible, hein. Pour eux, c'est une grosse denrée, une grosse ressource. Et pour les autres ressources, 6%. Donc en gros, on a le plus de chances d'avoir les têtes x1. Donc là-dessus, ils sont réglo. Donc ceux qui n'en ont pas, ils sont vraiment malchanceux. 16 têtes au tour précédent, c'est énorme. J'ai jamais fait ça. Donc en un tour, 16 têtes. Mon record précédent était 11 têtes en un tour. Là, j'ai eu de suite un truc énorme. Donc allez, redonne-moi des 8 têtes. Redonne-moi des 8 sculptures. Non, pas des accélérateurs. Des 8 sculptures. Bon, sur ce tour-là, il va pas vouloir. Est-ce que j'espère que ça veut pas annoncer la misère pour les derniers tours? Bon, des accélérateurs, c'est pas mal. Les recherches m'en moquent, mais c'est pas grave. J'espère qu'il va me refaire une belle roue et qu'il va pas donner 16 sculptures là pour plus m'en donner après. Une sculpture, ok. Allez, crash tes 8 têtes. Une deuxième sculpture générique, c'est bien. Donne des 8 têtes. 2% de chance, ça me va. Allez. Mais non, bon, c'est bien une sculpture générique. Hein. Bon, c'est pas mal, ça m'en fait tout de même 4 là. Allez, donc on continue. Allez, redonne des 8 têtes. Donne-moi des 8 têtes, je veux des 8 têtes. Allez. Donc, allez, allez, allez. Non, il veut toujours pas m'en lâcher là. Des 8 têtes, des 8 têtes. Allez, 8 têtes. Fais pas ton rap, paye tes têtes. Bon. Là, bon, j'ai quand même eu une sculpture générique, hein, mais je préfère vraiment avoir. Il nous reste 35 tours. J'espère qu'on va refaire encore du beau là. Non, on a failli avoir une sculpture. Allez, donne. Non, pas de l'or. L'or, c'est tout naze. C'est 5%, mais j'en veux pas. La sculpture générique. On l'a souvent, la sculpture générique. Une sculpture de Takeda. Ok. Et encore des boosts génériques. Bon. Ça serait bien qu'il relâche des 8 têtes, là.
Allez, le petit 2% de chance, c'est bien. Une sculpture, ok, une sculpture c'est bien. 8, c'est mieux. 2 fois 1, ok, c'est cool, 23% de chance. La générique, bon, donne des 8 là. Non, on est passé à ça, hein. Allez, 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 bon. Il veut plus, hein. Il nous en a donné 3. On en chope quand même pas mal, hein. Ça reste propre, hein. Je pense qu'on va pouvoir continuer l'expertise. Enfin, continuer vers l'expertise. Mais là, je préférerais bien évidemment une sculpture, ok. 23% de chance, donc c'est normal. Une étoile, pareil, le taux est fort. De la pierre, c'est que 6%, mais on s'en fout. Des boosts d'académie, je m'en fous aussi. Bon, là, ce tour-là, il est pas terrible, hein. Bon, il nous reste 4 fois 5 tours. Faut se concentrer là. Allez, c'est comme au casino. On est parti. On y va. Allez. Non, je ne veux pas ça. Je veux des 8 sculptures. Je ne veux pas des sculptures génériques. Je veux des 8 sculptures de Takeda. Donc, si tu m'en as donné 2 fois, c'est bien. Si tu veux m'en redonner encore une, bon. Je vais pas me plaindre. Hein. Je prends au moins une tête. Hein. Même 2 avec la générique. Hein. Mais ça serait bien. Le tour à 2 fois 8, là, il m'a rendu dingue. Je pensais même pas que c'était possible de faire un tour à 2 x 8. Donc, il pourrait me montrer que c'est possible de faire un tour à 3 x 8. Non, allez, 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes. Non, une sculpture générique. Allez, 8 têtes, 8 têtes. Non, je veux 8 têtes. Il nous reste 2 x 5 tours encore. Allez, 7200 gemmes. Allez, vas-y, donne-nous des 8. Une sculpture, donne-nous en 8. 8, 8. Bon, non. Il suffit de demander normalement. Vous voyez, tout à l'heure, on l'a demandé, on l'a eu. Là, il veut plus. Il veut plus nous écouter. Ça va être le dernier fois 5 tours, là. Bon. On aura eu 2 sculptures. On va finir. J'en aurais eu pas mal, quand même, au total. Hein. Je vais pas me plaindre. Hein. J'ai dû en avoir une trentaine facile, sans compter ce que je vais avoir là-haut. J'en ai eu plus la dernière fois. Hein. La dernière fois, j'en avais eu 50 exactement. Donc, voilà. Donc, là, pour égaler la dernière fois, ce serait bien qu'il lâche des 8. Pas des 1, des 8. Des slots de 8. Oh, on est passé à rien, là, du slot de 8. Allez, le dernier, un 8. Ah non, bon, dommage. Bon, un tirage pas mal, hein. Je vais pas me plaindre, hein, parce que j'en vois qu'on a vraiment des tirages ultra faibles. Donc, je vais pas me plaindre. Je prends les bonus du jour. Voilà, c'est pas mal du tout, hein. On va pas se plaindre. Donc là, on en a eu 15. Je sais pas combien j'en ai eu au total. En tout cas, je peux forcément le monter au moins d'un, puisque avec ce que j'ai eu, ouais, voilà. J'en ai eu, je sais plus combien il m'en restait, mais bon, j'en ai eu pas mal. Je crois pas qu'il m'en restait d'ailleurs, je sais pas s'il m'en restait. Bref, en tout cas, j'en ai eu pas mal. J'ai eu aussi quelques sculptures standards, des sculptures génériques qui vont me permettre de finaliser mon Edouard et par la suite de continuer de monter le Takeda. Pour cette tour, cette roue, j'irai jusqu'à 100. Ah, j'ai encore eu mon don sur le Thanksgiving, super. Cette tour, j'irai jusqu'à 100 pour avoir les 10 sculptures génériques, puis les 15 dernières sculptures. Et puis la prochaine fois, j'attendrai la prochaine roue. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir tenter la roue un minimum, essayer au moins de faire 5 tours. Si vous n'avez pas Takeda sur votre serveur, bah attendez, c'est un excellent commandant en second, hein, en cavalerie. Il a des skills de dingue, donc vraiment, ça vaut le coup de le débloquer. En plus, si vous le débloquez, il y a un gros avantage, c'est que vous allez avoir le pack à 5€, 5,49€. Qui est vraiment le meilleur pack de mon point de vue du jeu. Chaque fois qu'on a un nouveau commandant légendaire, on peut avoir ce pack. Et franchement, ce pack, c'est de la bombe. Rien que pour ce pack-là, ça vaut le coup de débloquer un légendaire. Donc, je vous invite à essayer d'avoir Takeda à la roue. J'espère que si vous le tentez, vous aurez autant de chance que moi. Essayez de monter au niveau 10 tours si vous pouvez. Si vous avez 7200 gemmes, c'est pas du tout déconnant de les investir. Vous montez à 10 tours, vous aurez forcément un minimum de têtes. Je vous souhaite d'en avoir 5, hein. Certains font un tour et en ont 8 déjà. Donc j'espère, et vous avez vu, certains font un tour et en ont 16. J'ai vraiment eu trop de chance. Donc n'hésitez pas, allez sur 10 tours si vous le pouvez, farmez un peu les gemmes. Faites vos 10 tours, vous aurez 5 têtes plus celles que vous allez récolter. Ça vous permettra de débloquer Takeda et encore une fois d'avoir accès à ce pack qui apparaît lorsque on débloque un commandant légendaire. Et c'est vraiment un bon investissement. Si vous avez 5,49€ à investir, faut les investir là-dedans parce que ça reste un excellent pack. Encore une fois, sans doute et selon moi, le meilleur pack qu'il y a dans le jeu, le meilleur rapport qualité-prix de très loin.
Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On est de plus en plus nombreux à suivre les vidéos et je vous en remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite un bon jeu à tous, beaucoup de chance si vous faites la roue de la chance avec Takeda. J'espère que vous allez avoir un max de sculpture en or de Takeda. Et je vous dis à plus sur Rock.